Lorsque Albert Jacquard, généticien, professeur à l'Université de Genève, membre du mouvement universel pour la responsabilité scientifique et grand humaniste devant l'éternel, est venu au Québec dans la première quinzaine d'octobre, à l'occasion de la sortie de son livre « L'éloge de la différence », tout le monde se l'est arraché. Et Second Regard n'a pas fait exception à la règle. Monsieur Jacquard a bien voulu répondre aux questions de Gilles-Claude Thériault. Il lui a dit de bien belles choses, mais je vous laisse plutôt l'écouter. Si je diffère de toi, je ne te lèse pas, je t'augmente. C'est une citation de Saint-Exupéry que vous semblez chérir d'une façon tout à fait particulière. Comment en êtes-vous arrivé à vérifier sur le terrain, en quelque sorte, ce qui semble être pour vous maintenant une évidence, une réalité? Oui, en effet, c'est à la fin de mon livre que je donne cette citation de Saint-Exupéry que j'ai trouvée par hasard et qui m'a semblé être exactement la conclusion d'une démarche scientifique. Et là, j'insiste, ça n'est pas du tout au nom d'une religion ou d'une morale quelconque, d'une philosophie, que j'aboutis à cette conclusion. C'est la conclusion à laquelle tout généticien aboutit. J'ai récemment discuté avec François Jacob, qui est un prix Nobel, qui dirige un institut Pasteur à Paris, et qui me disait aussi, pour moi, l'idée force dans la nature, l'idée qui reste lorsqu'on observe les plus petits des organismes, c'est que tout s'arrange dans la nature pour que la diversité soit maintenue. Autrement dit, la stratégie de la nature du vivant, c'est de préserver la diversité. Or, si l'on admet que ce que fait la nature est par définition le bon, le bien, et ce n'est pas un bien qui vient d'une morale, c'est le bien qui vient de l'observation, alors tirons-en la conclusion que justement ce qui est riche, ce qui est bon, c'est la diversité. La conclusion est scientifique quand il s'agit de parler de gènes, de génotypes, de caractéristiques biologiques. J'admets qu'elle n'est plus scientifique, c'est une extrapolation, mais on peut la tenter en acceptant de dire que c'est une extrapolation lorsque l'on passe de cette vérité concernant les gènes et la biologie à une opinion concernant les cultures. Maintenant, sur le terrain même de votre recherche, est-ce que c'est possible d'expliquer de façon simple comment vous avez vérifié? Bien, tout le problème, c'est d'essayer de juger. Nous sommes des êtres vivants, comme nous disons avec des mots un peu complexes, des phénotypes. Mais sous-jacent, il y a ce qui nous a créé, du point de vue biologique, la collection de gènes que nous avons reçus. C'est ce que nous appelons les génotypes. Et toute la science, la discipline que je représente, c'est la discipline qui essaie de savoir comment la collection de gènes d'une population, d'un groupe, d'hommes par exemple, ou d'animaux en général, évolue dans le temps, comment elle se transmet, comment il y a des associations. L'idée force de l'évolution depuis Darwin, c'est que la nature s'arrangeait pour que les choses, peu à peu, tendent vers un certain type grâce à l'adaptation. Le meilleur gagne et le meilleur transmet ses gènes, qui sont des gènes, par définition, meilleurs. Or, que constate-t-on? C'est qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Si, en permanence, le meilleur gagnait, alors peu à peu, dans tout groupe d'individus, on verrait une tendance vers l'homogénéité. Tout le monde aurait progressivement les bons gènes. Or, loin de constater ceci, nous constatons, et ça c'est vraiment une observation scientifique, que dans tout groupe vivant, il y a une énorme diversité. Que ce soit des amibes, des papillons ou des hommes, vous prenez un caractère quelconque, vous vous apercevez que ce caractère a un substrat génétique, biologique, extrêmement diversifié. C'est ce qu'on appelle toujours, avec des mots un peu grecs, le polymorphisme. Maintenant, vous mentionnez à un endroit que c'est un problème ou une question absurde que de parler de ce qui est inné dans l'homme et de ce qui est acquis. Non, ce qui est absurde, c'est de vouloir faire la part de chacun. Nous sommes, nous existons uniquement parce que nous avons eu une part innée qui a été rassemblée au moment de notre conception et un apport extérieur. Ce que nous sommes est le résultat de l'interaction de ces deux groupes de données. Ce qui est absurde, c'est de vouloir dire, mais puisque c'est le résultat de deux choses, quelle est la part de l'une, la part de l'autre? Là, il y a un défaut de notre esprit qui a été trop habitué à faire des additions et de croire que la science consiste à faire des additions, les fameux problèmes de Robinet quand nous étions petits.
Au contraire, la réalité biologique est dans l'interaction et non pas dans l'addition. Si bien que la phrase « quelle est la part de l'inné, quelle est la part de l'acquis » par exemple dans l'intelligence, est une phrase qui correspond à une question qui ne peut pas avoir de réponse. Et l'objet de la science n'est pas du tout de répondre aux questions, il est de s'arranger pour que ces questions soient posées de façon pertinente. Eh bien, cette question-là n'est pas pertinente. Mais de faire l'éloge de la différence, est-ce que ce n'est pas rejoindre un peu ceux qui prônent la tolérance? Oui, bien sûr. Mais la tolérance, pour moi, est qu'un pas très, très insuffisant. Tolérer, c'est accepter l'autre. Mais l'accepter un peu du bout des lèvres, en admettant qu'au fond, bon, il n'est pas bien, mais je ne vais pas être méchant avec lui, je vais le tolérer. En fait, c'est extrêmement insuffisant, cette attitude, et je le dis non pas, encore une fois, par morale, mais par conclusion scientifique, ce qu'il faut, c'est se dire au contraire, je n'ai pas à le tolérer, j'ai à me réjouir de ce qu'il soit différent, j'ai à me réjouir de la richesse qu'il m'apporte. Vous voyez que la tolérance est vraiment très, très... Bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que l'intolérance, mais c'est un pas très insuffisant vers ce que on pourrait appeler l'amour des différences. Une tolérance qui accepte même l'intolérance. Éventuellement, oui. Les découvertes en génétique, on nous fait part presque quotidiennement maintenant des récentes découvertes, manipulation génétique, bébé éprouvette, fécondation in vitro. Très souvent, on nous annonce pour très bientôt la possibilité de fabriquer des hommes à des milliers d'exemplaires, des Mozart, des Einstein. Je pense que c'est à la fois fascinant et c'est à la fois inquiétant. Comment arriver à dépasser ces réflexes, puis arriver à une réflexion au niveau de l'être humain de tous les jours? L'essentiel d'abord, c'est bien de savoir de quoi on parle. Et je crois que les slogans et les affirmations trop ramassées sont très dangereuses parce que trompeuses. Par exemple, la fécondation in vitro, au fond, il n'y a pas de quoi en parler tellement. Simplement, ce qui se passe dans l'utérus va se passer dans un tube à essai. Mais fondamentalement, ce sera le même phénomène, un ovule et un spermatozoïde. Mon Dieu, ça n'est jamais qu'une aide technique à un processus naturel. Par contre, ce qui serait tout à fait nouveau, c'est ce qu'on a appelé le cloning, c'est-à-dire la capacité de faire un jumeau plus jeune de quelqu'un, c'est-à-dire le bouturage. On n'est pas étonné de prendre une branche d'un arbre, de la planter en terre, et quand ça marche, ça donne un arbre entier. Pourquoi ? Parce que chacune des cellules de la branche connaissait la recette de fabrication du tronc, des feuilles et des racines. De même, chaque cellule de moi, n'importe où je la prenne, connaît la fabrication complète de tout moi, puisqu'elle a reçu une copie de toutes les informations génétiques initiales. Alors l'idée est simple, on va prendre une de ces cellules, et puis il n'y a qu'à fabriquer un individu semblable. Alors, ça ne marche pas encore, ça marche chez les grenouilles, ça commence à marcher chez les lapins, bon, on fait des choses. Il est probable, il est possible qu'un jour, on sache faire un homme cloné, c'est-à-dire qu'on puisse me prendre une cellule quelque part, par une prise de sang par exemple, une biopsie quelconque, et puis, au prix d'une certaine technique, de faire fabriquer un bébé qui aura exactement, totalement le même patrimoine génétique que moi, qui sera donc mon jumeau vrai, plus jeune que moi de 50 ans. Bon, supposez qu'on arrive à fabriquer un homme par cloning à partir d'une de vos cellules, dans quelle mesure cet homme-là sera vous? Voilà, c'est tout le problème. On en revient à la fameuse question sur l'inné et l'acquis. Mais cette fois, la question serait bien posée, car voici un individu qui donc, du point de vue génétique, serait rigoureusement identique à moi. Comme ça ne s'est jamais vu, on ne peut pas répondre, on ne peut faire que des conjectures, mais réellement, voilà quelqu'un qui aurait effectivement le même système sanguin que moi, les mêmes hémoglobines, les mêmes protéines, mais dans ce qu'il aura constitué en tant qu'être humain pensant. Tout ce qui est affectif sera différent pour lui et pour moi. Déjà les 9 premiers mois qui précèdent la naissance, et qui sont, semble-t-il, bien essentiels, pendant lesquels on entend par exemple le battement du cœur de la mère, ce qui nous crée le sens du rythme et du temps, et pendant lesquels il nous arrive beaucoup de choses, et puis tout ce qui vient après. Réellement, cet individu aurait eu les mêmes recettes de fabrication que moi, mais il n'aurait pas eu les mêmes ingrédients du point de vue de son expérience humaine. Je m'explique, par exemple, le cerveau.
On sait bien qu'un cerveau se construit à partir des gènes, mais la structure d'un cerveau est infiniment plus complexe que tout ce que peuvent apporter les gènes que nous possédons. Nous avons quelques centaines de milliers ou quelques millions de gènes, mais dans notre cerveau, il y a 10 000 milliards de connexions cérébrales. Par conséquent, ces 10 000 milliards de connexions qui font que j'ai une certaine forme de pensée ne peuvent pas avoir été programmés tous un par un par le patrimoine génétique. Il y a ce que l'on appelle l'épigénèse. Ce qui est dans mon cerveau actuellement est bien sûr en grande partie fonction des recettes de fabrication initiale, mais tout autant et probablement beaucoup plus fonction de tout ce qui m'est arrivé, de tous les efforts que j'ai faits sur moi-même pour avoir tel cerveau plutôt que tel autre. Toujours une question d'interaction. C'est toujours l'interaction. D'addition. Mais comment la conscience peut-elle être interpellée par toutes ces recherches et par toutes ces découvertes? Dès que l'on se met à réfléchir justement dans cette direction, on s'aperçoit que c'est le regard que l'on porte sur le monde, essentiellement sur le monde vivant, qui est en cause. Le regard sur l'autre, le regard sur soi-même. On est émerveillé. On est émerveillé de ce que la nature nous accule à être des créateurs. Faire un enfant, c'est faire quelque chose, puisque c'est une chose au départ, qui est imprévisible. La technique de la reproduction sexuée que nous pratiquons si facilement, en fait, revient à mettre dans notre jeu un acteur extraordinairement riche qui est le hasard, puisque nous ne pouvons pas prévoir quelle est la part de nos gènes qui sera dans le spermatozoïde qui va féconder, ou quelle est la part des gènes de la partenaire qui aura été transmis à son ovule. Ceci n'est pas prédictible. Par conséquent, ce qui va se réaliser est nécessairement une création, ce sera une chose qui n'a jamais eu lieu encore. Tout homme est exceptionnel, tout homme est nouveau, merveilleux. Alors ça, cet émerveillement devant chaque être, je pense que c'est une leçon de la génétique, et ça a des conséquences assez larges sur notre comportement, disons. En particulier au niveau du respect. Vous travaillez très près de la vie dans son origine. Vous avez mentionné que souvent, et que c'était le fruit du hasard. Vous explorez le mécanisme de la vie. Vous semblez soulever le voile du mystère qui entoure la vie. Beaucoup le voile de l'invisible. Vous êtes croyant, vous l'avez déjà affirmé. Comment arrivez-vous à concilier cette notion d'un Dieu créateur, par exemple, et le fruit de votre observation? Mais il n'y a pas de problème de conciliation. Il n'y en aurait pas non plus si j'étais athée. Dans la vision que j'ai de l'activité scientifique, je ne pense pas que, quoi qu'il puisse arriver dans les découvertes scientifiques, on puisse en tirer le moindre argument pour être athée ou pour croire en Dieu. Pour moi, c'est complètement dissocié. J'ai des quantités de camarades qui sont d'un athéisme total et qui ont, du point de vue scientifique, exactement les mêmes visions que moi. Je pense que c'est une réalité intérieure, d'être croyant ou pas, assez indépendante de la réflexion dans ce qu'elle a de sec, c'est-à-dire de scientifique. Je suis bien obligé de prendre une image. Si vous voulez, je pense qu'un monde de bulles d'air qui remontent du fond de l'océan est fait de la même matière que l'atmosphère. Mais il ne peut même pas imaginer l'atmosphère, alors qu'il en fait partie, il en est une partie provisoirement détachée. C'est un peu ça ma vision de Dieu. Au fond, j'en fais partie, je suis l'atmosphère, mais provisoirement, je ne suis qu'une bulle. Bon, et puis un beau jour, la bulle éclatera et tout changera. Et dans l'attente, dans l'intervalle, j'ai des dialogues avec les autres bulles au fond de la mer. Certaines pensent à l'atmosphère, certaines n'y pensent pas, peu importe. Mais elles peuvent s'entendre sur un certain langage, qui est le langage de leur monde provisoire. Si bien que je ne pense pas vraiment lever un voile de mystère, mais simplement me colter, quelquefois difficilement, et en ayant l'impression de ne pas bien comprendre, avec ce mystère de la vie. On parle souvent, quand on parle de votre action, de croisade contre le racisme, c'est de militant. C'est très excessif, ça. Je ne suis pas Jeanne d'Arc. Est-ce que vous vous considérez comme un chef de file? Non, surtout pas chef. Non, je vous ai dit, je n'aime pas les hiérarchies. Ce n'est pas pour me prendre pour un chef. Non, simplement, je crois que tout le monde peut, à son niveau, moi à mon niveau, travailler dans le sens qu'il croit être une certaine libération.
car finalement c'est le mot important. La science, j'y crois parce que ça va dans le sens d'une, ça doit aller dans le sens d'une libération. Mais à cause de certaines perversions, à cause de certaines formes de notre civilisation, très facilement, cette science, au lieu d'être un outil de libération, devient un outil d'oppression. Et Dieu sait que la plupart des développements sociaux qui sont lancés par certaines découvertes scientifiques aboutissent à des gens de plus en plus aliénés, avec des programmes de plus en plus rigides, une incapacité à être soi-même, une incapacité à faire ce que l'on aime, etc. C'est le contraire de ce que cherchait initialement la science. Alors, dans la mesure où on peut vraiment rendre à la science son rôle libérateur, à la connaissance, disons, son rôle libérateur, je pense qu'on est motivé pour agir, sans être pour autant un chef de file, non. Albert Jacquard, je vous remercie.